Bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer les rangements possibles dans ce modèle de sac besace parce que c'est le sac que je vends le plus. Donc comme ça, vous pourrez voir s'il peut vous convenir ou s'il peut convenir à votre ami Comment ou t'as dit? à votre fille ou à quelqu'un à qui vous voudriez l'offrir. Dans ce sac, là, aujourd'hui, j'ai mis 2 kilos d'affaires. Donc le sac vide, il pèse 500 grammes. Là, il fait 2,5 kg. Il est conçu pour qu'on puisse ranger son téléphone dans la poche arrière et l'attraper facilement quand il sonne sans avoir à fouiller dans tout le sac. Sous le rabat, on a une poche plaquée. Là, cette poche, elle est pour les clés. Comme ça, les petits bouts pointus des clés n'abîment pas le tissu. Cette poche, elle est toute en cuir, donc ça risque pas de le griffer. Moi, je mets aussi mon briquet pour l'attraper rapidement. Quand on ouvre, du coup, la poche principale du sac, j'ai mis tout un tas de trucs de filles comme des gâteaux, des chouchous, des mouchoirs, une pochette avec plein de trucs de filles, pour le mal à la tête, mon portefeuille, mes clopes. J'ai mis aussi un cahier qui fait à peu près la taille d'une tablette. Si on ne met pas le cahier, on peut largement mettre une petite bouteille d'eau. Et donc ensuite, à l'intérieur du sac, on a une petite poche zippée. Cette poche, elle est conçue pour mettre les affaires un peu plus précieuses, comme par exemple le chéquier, le passeport. Moi, j'ai mis aussi des cartes de visite de moi et mon copain. Donc comme ça vous donne une petite idée de mieux que sur les photos de est-ce que ce sac a une contenance qui est bien pour vous ou pas. Et pour toutes les filles qui ont déjà un modèle de ce sac ou plusieurs, mettez-moi une petite photo dans les commentaires avec tous vos sacs, ça fera un bel album, ce sera cool.